J'insiste de nouveau sur l'importance d'aménager les espaces non utilisés de son zoo. Ça apporte vraiment un sentiment de réalisme et une sensation d'équilibre qui encourage à continuer. Il en faut peu parfois, on peut simplement dupliquer les arbres des limites de la carte ou, comme je l'ai fait, reproduire un souvenir d'enfance. Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du jeu Planète Zoo dans le zoo du village de l'héritage, dans le dernier épisode de la maison d'essence en mode maraîcher. Vous avez donc compris qu'aujourd'hui, je vous propose de voir comment j'ai réalisé un potager pour le zoo de l'héritage. Je me suis carrément inspiré de mes souvenirs d'enfance, le jardin de mon grand-père, et aussi de ceux de l'exploitation d'un maraîcher à proximité de Châteauneuf-du-Pape. Vous verrez, je n'ai pas poussé le réalisme trop fort. Beaucoup de copier-coller et l'utilisation de quelques objets de créateurs du Steam Workshop. D'ailleurs, vous trouverez tous les liens dans la partie de description de la vidéo, en dessous. Avant de vous laisser découvrir la suite, je vous invite à regarder jusqu'à la fin ou de vous y rendre si vous préférez. J'ai mis une pensée personnelle qui résume ces quatre épisodes. J'espère que vous approuverez le sens de mes mots qui, j'en suis sûr, vous permettront de comprendre pourquoi j'ai créé cette maison d'essence. Voilà, j'espère que cet épisode vous plaira et, comme toujours, vous donnera des idées pour vos propres créations. Vous pouvez me le faire savoir en me laissant un pouce en l'air, vous savez que j'apprécie beaucoup. La partie commentaire en dessous est à votre disposition, donc n'hésitez pas à l'utiliser pour vos retours ou pour me poser des questions si vous en avez. Je répondrai à chacune et chacun d'entre vous. Si vous découvrez la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Vous pouvez vous abonner et activer les notifications, de cette façon vous serez informé des prochaines sorties de cette série. J'ai pris l'habitude, avant chaque nouvel épisode, de vous proposer des images qui l'illustrent dans l'onglet Communauté de ma chaîne, le mercredi et ou le dimanche, juste avant sa sortie. Je vous invite à les découvrir pour vous faire une idée sur le prochain contenu que je vous ai préparé. Merci encore beaucoup pour m'avoir écouté jusque-là, pour votre présence, pour votre fidélité et pour votre soutien. Je vous souhaite un très bon visionnage et un très bon divertissement. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode avec le fondement d'une nouvelle phase qui regroupera pas moins de 5 espèces animales, tous des ruminants. En attendant de vous retrouver, prenez bien soin de vous. Bon jeu à tous les joueurs. C'était Olivier. Salut!
c'est la patina, c'est Zoraka. C'est la ristorna, c'est la patina, c'est Zoraka. Ristorna, c'est la patina, c'est Zoraka. C'est la ristorna, c'est la patina, c'est Zoraka. Ristorna, c'est la patina, c'est Zoraka. Ristorna, c'est la patina, c'est Zoraka.